andata ñokolo koba il faut périphérie parko wallu ayna be transhumant be hibe wadi association di mabbe hibe wadi pelle mabbe harabe tampina ka sobe nati to monsieur le président périphérie parko mi do yidi wallo me ne forage mawdo hala jawde ni nata ta parc national ñokolo koba monsieur le président arrêté transhumant sakude mali e sénégal a walla me ministre ndatti do du yurni ko do fewni to dem ko di ha kon tan ko wona teso e arrêté transhumance entre mauritanie et sénégal ndare ndon kadi hollo wadinte ha ayna be wawa jokkondirde hara fitina wada ceci on peut citer le programme tel que programmé dans le plan d'action prioritaire PAP 2A pour la période 2021-2023. Mais pour y arriver, une attention particulière doit être accordée à la préservation de nos écosystèmes naturels. Monsieur le ministre, je demanderai au Premier ministre de vous réunir avec le ministre de l'Environnement pour vous doter d'un programme capable de vous donner les moyens matériels et financiers de développer les pare-feu et de protéger le tapis herbacé. C'est le premier intrant puisque je sais que les éleveurs souffrent encore sur le prix de l'aliment de bétail. Alors pour contourner cette grande difficulté, il faut d'abord préserver l'écosystème pastoral. Il faut produire davantage de cultures fourragères. Il faut bien entendu vacciner le cheptel et nous allons développer et renforcer les moyens de l'élevage dès l'exercice budgétaire prochain.